un ex-coéquipier. Bon, voilà, c'est Tom Chorsky, attendu par Volanen. Oh, belle remise à Walter. Walter est accroché par deux joueurs des Nordiques. Top Knot résiste, mais Stewart a sifflé, mais c'est parce que je pense que le filet... Oui, le filet est non seulement déplacé, mais je pensais qu'il aurait pu un peu plus loin. C'est Urquhart qui reprend. La remise à Morin vers Sundin. Sundin attire vers lui Desjardins. Remet le disque à Morin. La belle passe à Moussarov et le bel arrêt ensuite de Rassico. Là, la mêlée éclate entre Sundin, qui était plus près du gardien, et Walter. Et là, il a été empoigné tout de suite. On veut mettre fin le plus tôt possible à cette effectif et à leur mieux, bien entendu. Bon, tout de suite, après la mise au jeu, ça c'est... On peut appeler ça un but facile, André. Ouais. Scott Pearson s'empare du disque dès la mise au jeu. Et là, on va revoir le jeu. Mise au jeu remportée par les Nordiques dans la zone du Canadien. Pearson s'empare du disque. Il va le lancer. Et là, je pense que lui-même a été un peu surpris. La rondelle qui a déjoué le gardien Rassico. Et en tombant, son lancer qui... Centre pour Matt Sundin. Sundin, lui, ramène le disque en territoire des Canadiens. Là, c'est à 4 qu'on se dispute la rondelle. Le long de la rampe. Finn, vers Morin, le but! Il est refusé. Semble-t-il, je ne sais pas s'il l'a donné ou non. Oui, je pense qu'il l'a donné. Il l'a donné? Parce que il prétend que Morin, donc, ce n'était pas intentionnel. Alors, à 11 minutes et 57 secondes, on va revoir le jeu. Sean Anderson, qui est en possession du disque, le remet à Stephen Finn. Et la passe qui va toucher le patin droit de Stéphane Morin. Rassico est déjoué là-dessus. Oui, c'était pas intentionnel. Non, une trajectoire inattendue, mais pendant un moment, j'ai cru que Stewart allait changer d'idée parce qu'on va voir le patin de Morin qui fait dévier cette rondelle et qui permet aux Nordiques de s'emparer d'une avance de 2 buts. Avec 2 minutes 50 à faire en première, Sakic à nouveau. C'est pour ça qu'il va avoir beaucoup de glace ce soir. Oui. Sakic, attendu par Cholski, fin de lancer. Voilà le tir repoussé par Rassico et il saute rapidement sur le retour. Le hockey à 4 saisons vous revient dans un instant. La remise à Éric Desjardins. Desjardins devant Verlischek. Il hésite, attend la venue de Richer. Passe arrière à Desjardins, c'est beau. Et un bel arrêt de Top Knot. Tire fort bien dirigé. Très bien joué de la part de Richer. Qui a remis à Desjardins derrière lui pour obliger Top Knot à effectuer. Bien sur le bâton de la fleur. Son tir a dévié sur un patin. Sakic reprend. En retrait, c'était pour la fleur, mais... Il y avait quelques joueurs qui lui compliquaient la vie. Et ensuite, c'est une sortie de zone de Brian Skourdun, 2 contre 1. Skourdun est riché et le tir à bout portant, repoussé par Top Knot. Boussarov remet au centre. Voilà le Lebeau. Lebeau a été stoppé par le juge de ligne, Wayne Bonnet. La rondelle qui poursuit sa course jusqu'en territoire des Nordiques. Dégagement ensuite réussi par Finn. Et il y a Pearson qui s'en va seul. Il lance et Rassico qui résiste. Voilà Sakic qui va chercher le disque dans le coin. À Pearson, autre lancer, un deuxième. Et Rassico qui résiste. Sakic a fait une chute. Sa passe demeure libre jusqu'à l'intervention de Daigneault. Daigneault, il y a eu une rapide réaction de la part de Desjardins. Walter, Andrew Cassels, il lance et la rondelle est passée par-dessus le but. Mais Cassels a mis un peu de temps et il voulait contrôler parfaitement la rondelle. Et au même moment, ben, Twist a pu le rejoindre. Vermette à Sakic, vers Vermette, le but! Belle passe de Sakic là-dessus et encore, Desjardins n'est pas fier de lui. Il a été déjoué et la passe de Sakic est rentrée sur le bâton de Marc Vermette qui parvient à déjouer. On revoit le jeu, on voit Desjardins qui suit la rondelle des yeux et là cherche à rejoindre Sakic qui parvient à remettre à Vermette devant. Et là, là aussi, on l'a abandonné Vermette pour lui permettre de s'approcher librement devant le gardien Rassico. Robodan qui revenait sur ses pas. Alors, à 4 minutes et 43 secondes, c'est un troisième but pour les Nordiques. Celui de... Réussi la passe à Skruglund vers Corson, mais là, ça manquait de précision. Off, vers Tony Urquhart, il est seul. Il lance, Rassico résiste. Et c'est Lefebvre qui s'empare du retour avec une remise à Stéphane Richer. Richer accélère là jusqu'en zone des Nordiques. Richer décide de lancer, c'est repoussé par Top Knot et le retour appartient à Boussarov. Passe qui est raté pour la fleur, mais la rondelle territoire. Le Canadien qui
éprouve beaucoup de difficultés à se regrouper, à s'organiser. Anderson vers Morin. Une belle opportunité. Très beau jeu de Sean Anderson, mais la passe, la longue passe qui a été coupée par Sean Anderson à sa ligne bleue. Tout de suite à l'autre ligne bleue, le jeu est très ouvert. Alors les Nordiques ont libre cours, ils peuvent patiner à leur guise. Et on voit Morin capter la passe fort habilement du côté du gars de Racico qui était venu à sa rencontre. Le lancer est bien frappé et touche la cible pour un quatrième but des Nordiques. Mais beau jeu de Sean Anderson à l'autre ligne bleue. Et là, encore une fois, tout le monde a été pris de court chez le Canadien, y compris Denio. Morin qui enfile son deuxième du match, son 13e de la saison, à 6 minutes. Dans le match, on est à 10 minutes en deuxième période. C'est 4-0 les Nordiques. 17 lancés par Québec et 6 par Montréal seulement. Donc voilà Coulson. Le tir bloqué par Tognot et le retour balayé par Urquhart. Non, il n'y en a pas deux comme lui. Tu te rappelles de ses frasques avec les Nordiques. Hein? Oui. Desjardins s'avance. Un tir bloqué par Tognot. Retour, Carbonneau. Il était à genoux. C'est Morin qui le surveillait devant le filet. Voilà Morin qui, malencontreusement, il l'a remis à Carbonneau. Et le tir repoussé par Tognot. Dégagement annulé. McFinance. C'est repoussé par Tognot encore. Et dégagement jusqu'en zone des Canadiens. Début de la rencontre. Mais là, on a vu un peu plus de pression de la part des attaquants. Oui, il y en a eu 4 dans les 30 dernières secondes, peut-être. Mm-hmm. 8 minutes 30 à la deuxième. 4-0, les Nordiques. Courtenay s'avance. McFinance. Oh, bel arrêt encore. Ron Tognot. Il ne sait pas si la rondelle était dirigée à l'extérieur, mais il n'avait absolument aucune chance à prendre. Alors, c'est fini pour lui au dernier match de la saison. Éric Desjardins maintenant. Oh, il a perdu le disque. Ça kick peut-être. Attendons voir. Il s'avance. Il est seul. Il lance. Il a raté la cible. Oh! Il a touché Racico à l'épaule, je crois, et la rondelle est passée par-dessus la cage. Ça qui reprend. De Racico, c'est Donald Dufresne qui reprend. La passe à Tom Chorsky. Andrew Cassels maintenant devant Tony Twist. Cassels à Chorsky. Bel arrêt encore de Tognot qui résiste. Avec une avance de... Là, c'est Mike McNeil. Avec le patin, sa passe a été coupée par Gilchrist. Rapidement, jusqu'à Leclerc. Leclerc, et ensuite à Svoboda, il est seul. Oh, superbe arrêt de Tognot sur le lancer de Svoboda, qui est venu de nulle part pour se présenter complètement seul devant lui. Leclerc, la passe à Gilchrist. À nouveau pour Lebeau, devant le filet, il était aux prises avec deux joueurs des Nordiques. Et là, la rondelle poussée plus loin par Lambert. Hors de portée de Stéphane Richer qui lui enlève la rondelle. Ça permet cette passe à Coulson ensuite. Coulson vers Krugman, devant Velišček. À Coulson à nouveau. Coulson s'avance, devant, mêlé devant le but. Vers Krugman, la maille à partir avec Gusarov. Et c'est Velišček qui remet à Owen Nolan en même temps une sortie de zone. Voilà Nolan vers Sakic. Sakic s'avance bien dans l'enclave. Il lance. Oh, superbe arrêt de Racico. Il vient de lui en voler un. C'était une des bonnes chances de Sakic, mais il était encore un peu loin et il n'y avait personne. Coup de main à ses coéquipiers défenseurs. Là, c'est ce même Sundin qui se porte en attaque jusque devant Lefebvre. Passe à Urquhart, c'était parfait. Et Racico qui brille là, devant le tir de Urquhart. Sundin a été blessé. Là. Il a reçu la rondelle. Urquhart a été devancé par Lefebvre, mais va obliger Lefebvre à ramener la rondelle avec lui dans son territoire. Là, c'est Nolan qui a insisté un peu. Un commencement de dispute. Il y a un qui est sur la patinoire. Il y a deux joueurs qui se retiennent. L'arbitre n'a pas sifflé du tout. Ça veut se poursuivre. Et effectivement, ça se poursuit. Il y a une prise de tête de Nolan. Stewart tenait absolument à ce que le juge poursuive. Bon, c'était Scrooge et Owen Nolan. De la clôture. On continue de batailler pour la possession du disque le long de la marque. Et là, Scrooge, lui, veut venir utiliser cette rondelle. Et c'est l'entrée en scène de Nolan qui plaque sévèrement Scrooge. C'est à ce moment-là que les esprits s'échauffent. Et il y a des pénalités. Scrooge et Nolan sont au banc des pénalités. Stewart, depuis du match, donne l'impression de... Sakic, lui, est retenu par Leclerc. Ça permet cette longue passe à Courtenay. Il s'en va seul. Il lance. Et Tognot qui résiste encore. Et un deuxième lancer qui rate la cible, celui de Gilchrist. Sakic
La remise à la flanque, 3 contre 2. En retrait, à Sakic. De l'autre côté, la passe a été coupée par Desjardins. Un beau jeu. Lambert à la fleur, vers Sakic. Sakic devant Schneider. C'est pas facile. La passe a touché un bâton. Et le Canadien qui reprend avec Chorsky. Il y a peut-être une belle opportunité pour lui. Il lance. Et Todd Knott encore qui résiste. D'une superbe façon en passant. Pour la dernière minute du match, possiblement, enfin, dans tissu compas, c'est Chambers au bel arrêt de Togna devant Strudlin. Il y a une mêlée ensuite devant le but. Svoboda. Oh! Il y a une autre rondelle sur la patinoire. Une autre rondelle a été lancée sur la patinoire. Mais le but de Svoboda est bon. Ouais, de toute façon, si Svoboda, Claude, a marqué avec la mauvaise rondelle, ben... Non, c'est la bonne rondelle. C'est la bonne rondelle parce que le jeu se poursuivait devant Todd Knott. Au départ de Scrooglund, Todd Knott a fait deux arrêts. Et là, encore une fois, on était capable... Il n'y a que 5 joueurs des Nordiques autour de lui. Pas un seul était capable de saisir cette rondelle qui a appartenu à Svoboda et de lancer au fond du but. On voit Scrooglund encore qui bataille avec Richer. La rondelle reste libre devant et c'est Svoboda qui trouve le fond du but. À son 4e de la saison, à 18 minutes 4, et c'est un jeu blanc qui s'évanouit pour... C'est là-dessus que se termine le match, le dernier match de la saison régulière et celui de la carrière de Guy Lafleur. Oui, c'est la fin de la carrière, de cette prodigieuse carrière de Guy Lafleur. Il aura marqué son dernier but au Forum, où il a connu ses plus beaux moments dans la Ligue nationale pendant un peu plus de 13 ans. Et ici, avec les Nordiques, hein, c'est l'équipe qu'il vient d'épouser, pour ainsi dire, en vue d'une deuxième carrière. Et là, les joueurs du Canadien vont aller serrer la main à Guy Lafleur. On va aller saluer Guy Lafleur. Tous les joueurs du Canadien, spontanément. Voilà un geste sportif, certes fort apprécié. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance de côtoyer, qui sont avec le Canadien, mais il y en a d'autres. Ben voilà un, McPhee, Goodland, les gars avec qui il a bataillé. Shane Corson, Ryan Walter aussi, qui a été un des siens pendant plusieurs saisons. Gilchrist, Jean Leclerc, un nouveau venu, qui n'a pas eu la chance, mais qui vient... qui a eu quand même le plaisir, le privilège de vivre des moments intenses au cours de ce dernier week-end. Guy Carbonneau qui a assisté à la cérémonie pendant presque durant tout le temps. Et voilà Pat Burns. Pat Burns qui est venu saluer Guy Lafleur. Et certes, Lafleur lui souhaite bonne chance aux Canadiens dans les séries éliminatoires. Un geste sportif fort apprécié. Et Lafleur qui remet sa dernière rondelle, son dernier bâton au président des Nordiques, Marcel Aubu. Si vous le revoir, j'ai l'impression qu'il va avoir l'occasion de le reprendre dans le bureau parce que la fleur va passer plusieurs...